Matame, Chef Kwari, Leonard Asongo, Siriako Kamonde, Trésor Daniel Abinina, Yakasa, Don Diliwayo, Lantua Turua Zezé, Adala Pumobi. Non, la tête à vous. Bella, il t'écho. Tu t'as quoi? Hein? Tu vas voir, c'est pas bien. La journée là, là-bas, après, l'après-midi, c'est. C'est des bœufs, c'est des... un barbecue, tranquille. On a la viande fraîche. La viande fraîche, par exemple. Non, y'a rien. Y'a le poisson. Mais ils sont dans leur milieu naturel, hein, donc vous. Ouais, on va repartir là. Ouais. Là, y'en a. Ouais. Ouais, mais c'est là. C'est visé. En fait, ils doivent. D'un coin à un autre, on met les filets, les trois filets. Et puis, ils font le bruit. Voilà. Et ils poussent les poissons dans le sol. Pour retrouver les coincés. Mets ça en largeur. Bon, donc, chers téléspectateurs, nous sommes ici au Ranch Asongo de Delphine. Là, nous sommes à une partie de pêche dans les étangs. On est arrivé pour un pique-nique dans les profondeurs des plateaux Batiké. On est là, on a fait, on veut manger, donc on veut avoir un peu de poisson frais. On compte sur nos deux pêcheurs, Michel et Enoch, qui sont à l'eau. On attend voir ce que nature nous réserve. Bon, donc on a le premier poisson. J'ai attrapé. Monte. Oh!
Bon, on continue, ça va aller. C'est un bon signe. Mais, ce que vous allez pêcher là, vous allez mettre ça où? Oh. Vous n'avez même pas mené un seau. Mais c'est vrai, on n'avait pas mené un seau. Vraiment, vous avez amené le gobelet pour le champagne, mais pas de seau. C'est une grosse feuille. Il y a bien un sachet bleu quelque part là, non? Je sais que tu es ma vedette, la télé. Maman, Audrey, n'a pas qu'à acheter.
paniche nadie. Mais c'est ça que j'allais même dire, il y a tout sur place pour un bouillon. Tu t'es président de Sansoma en pêcheur. Vas-y, dans une partie de pêche. Martin à move. Découvre 24 et banatier. La Uaris, malgré bon coup. La Uaris, mon amour. Allez-y, ma vie. Donc, la fa wole li. La lo le jang ala bu ngou kone. Yo ko, mpuni ya le lon mon tapla. Nanta no to la kangwe le bai. Yo mani la fuma mambo. Asa bon paquet là dedans. Ah, yele. Yele. Yo mo mpuni yo to le mon tapla. Yo ko. O bi we. Tiens,
ala yua mandi wa mama no pepe inde kwa mtetina asomoli dia ajera balangwewo ndiwa jwana ngonda dosi. Mais oui, on peut le remettre à l'eau, mais dans une marmite. On peut le remettre à l'eau, mais dans une marmite. Mais président. Non, il ne veut pas ça là-bas. Madame Nan, ceux qui sont restés à l'école avant ta vie, hein. Oui. Comment ça? Des étangs Ne peut pas les voir.
Bible. Maman Natania chante ici. Le lieutenant Serge Arnaud Dakana. Donc, nous sommes allés en train d'aller voir le chant d'Anana. Petit Osano. Ouais, nous sommes dans les plaines du plateau Batéké. Il est difficile, très difficile pour nous, mais facile avec des 4x4. Pas besoin, la nature nous a donné la route un peu partout. Voilà. Medine, I love pour ton pamba pamba. C'est la première fois que vous faites dans cette activité-là. En ce qui concerne les ananas. Encore, on va les voir. La banane, c'est la première année que je vais les faire. La banane. Et puis les bananes. Non, faut pas manger. Tchounou? Nana. Capita. Voici ça, c'est un tchounou d'aller. Oh, les bas. On fait comment? Allez, on va manger. Ah. Donc c'est ça que les gars là sont venus mettre pour le deuxième rang, hein, les barbelés là. Ça c'est pour protéger le champ. Ah ok, comme les bœufs, comme ok. You know, Non. Là. Ah, ma fille, pardon. Gandhi, elle rend une idée. Voilà, tu le vois bien. Quelle journée. Tu penses au dos, tu es mort. Non? Oh, ça c'est la tomate. Oui.
Sauf qu'au moment où on les achète, ces pieds d'ananas viennent avec des grossesses. Tu regardes à côté, tu verras même celui qui n'est même pas planté, qui a déjà un petit ananas. C'est ce qui fait en sorte que quand ça arrive comme ça, les petits ananas poussent d'abord. Après, quand on les enlève, c'est maintenant les gros ananas qui vont sortir. Donc vous voyez d'abord la santé des pieds d'ananas. Des plantes. Voilà. Quand vous voyez la santé des plantes là, vous allez savoir quelle sera la qualité des ananas qu'on pourra récolter ici. Ça va donner les gros fruits. Voilà. Donc on va. Donc tout ça là, ce champ là. Ah oui. Ce champ. On va maintenant mettre les gens pour tarcler, pour nettoyer. Quand nous-mêmes on a le temps, on vient. Cette plantation va juste en bas là-bas, parce que la première, c'était juste en bas. Tout ça là, les ananas à l'intérieur. Donc tout ça va nettoyer. Maintenant, nous, on envisage dans les perspectives d'avenir que l'on veut mettre 4 hectares. D'accord. 4 hectares. En la ouvert. Oui, tout ça, là, on va ouvrir tout ça. Mais quand on ouvre ça jusqu'à là-bas, on va arriver à peu près vers là où on était. Aux étangs de pisciculture. Donc tout ça, là, ça va être des champs d'ananas. Mais en pensant aussi à transformer, non? Oui, la transformation. Des invendus. Voilà. Et comme quand on avait voulu transformer le manioc, on avait acheté un vérin, un gros vérin, qui nous permettait d'essorer l'eau du manioc. Donc c'est ce vérin que nous allons utiliser pour recueillir le jus d'ananas. Il peut être frais. Comme il peut être fermenté, tout dépend du marché. Tu sais, la clientèle, il les connaît, les gens me prennent le vin ananas fermenté avec le bois amer. Avec le bois amer. Voilà. Donc on pourra vendre. Là-bas, je crois que... une spécialité. Voilà. On peut faire le litre comme il y a 2500. Hein. Le litre d'Anzal. Oui, mais nous, hier, on a acheté le litre à 2000. À 2000. Ouais, oui, on a acheté le litre à 2000, donc... En même temps, ça fait de l'emploi pour... Voilà. Les gens, et puis les déchets là. Oui. Les déchets là, ça fait l'aliment pour le bétail. Ah, d'accord. Donc, dès qu'on finit de presser, on prend les déchets là, on met dans les sacs, on vient... Tout à l'heure, c'est bien pensé. Monsieur Songo, c'est comment ça s'est passé le transfert entre l'administration et un haut administratif, secrétaire général du ministère de la Santé et pratiquement cultivateur à éleveur. Comment ça s'est passé la migration et entre la transition entre l'administration et l'entrepreneuriat. La Bible nous dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Tu grandis, tu apprends, tu commences à faire tes premiers pas dans l'administration, mais n'oublie pas une chose. La chose qu'il ne faudrait pas oublier, c'est de savoir que je viens d'un village, de quelque part. Je suis quelque part, quand je serai libéré de l'administration, je repartirai là-bas. Ne parle pas de la ville pour venir t'asseoir au village et attendre la mort. Parle de la ville pour venir au village et continuer à être vivant. Exactement. Même à procurer de l'emploi à ceux qui en auront besoin. Ouais. Et c'est ce qui a fait en sorte que je puisse, pendant que je travaillais, les 5 francs qu'on me payait, je mangeais une partie, et l'autre partie, je pensais au village. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Demain, ça va être des grandes plantations, ça va être... Pourquoi ne pas faire comme... Vous voyez, au Gabon, c'est les gens du Nord. Je nous dis des leçons parce qu'ils sont influencés par le Cameroun. Et nous, on a toujours pensé que, bon, nous, c'est l'administration. Mais un jour, l'administration finira. Quand tu vois le vieux Ondometo, il est vieux en âge, mais c'est quelqu'un, quand il a sa machette, il va en brousse, il te démontre que c'est quelqu'un qui aime la nature, c'est quelqu'un qui aime le village, qui aime l'agriculture.
Et ça faut que nous aussi dans notre groupe qu'on comprenne cela. Oui. Et c'est la raison pour laquelle je suis parti l'administration pour dire je me mets dans mes plantations. À cultiver, retour à la terre. Qu'on va visiter. Et même ici on nous disait que les bananes ne poussent pas chez nous. J'en ai planté. Bah, allons-y, vous allez voir. Vous allez voir en bas. On m'a découragé et on s'est dit, essayons. Ça ne coûte pas cher d'essayer. C'est le sable. Vous allez voir la santé. Oh, mais l'onkoumou, là. Attends, on va voir. Oh, bah, allons. L'amour, toujours. Allons. Avec la caméra, on va le retrouver. Que demain. Oui. Comment? Au lieu de. De planter tout ce que je ne maîtrise. C'est du spontané. On n'était pas ici voir le terrain, mais connaissant nos forêts, on sait que forcément, on va en trouver. On va en trouver ici. On en trouvera, on va regarder. Oui, on va forcément trouver. Oui, non, c'est pas ça. Oui, c'est pas ça. On va en trouver. Donc, au moins, nous sommes dans la zone de. Nous sommes dans les. Nous sommes. Oh, ça là, c'est. Nous sommes dans la zone des Djangoulou. L'onkoumou, c'est. Oui, toutes les forêts ici sont remplies de l'onkoumou. On a là, voilà. Nous sommes à la recherche d'un koumou. Voilà. Là, on a trouvé d'un koumou. Oui. On a trouvé. On cherche encore. Une un peu vieillie. Voilà. On va trouver. Oui, on va aller trouver les autres. L'amour, toujours l'amour. Non, allez-y là-bas. Alors, donc, comme je vous le disais, on était à la recherche d'un koumou. Allez, l'onkoumou, il est là. C'est cette liane-là. Voilà. Madame Carole. Et hey, Madame Amélie. Voilà. Madame Nang, voici l'onkoumou. Voilà. Et que c'est un bon bouillon dans la pelle, dans la carte. Oui. Dans le mbolo. Quoi, tu vois, tu vas aussi l'onkoumou là-bas. Et jusqu'à là, nous disons grâce à nous. Nous disons un grand merci. Mais il y a déjà même les ananas qui sont là. Donc nous disons un grand merci à Dieu parce que dans le département des plateaux, surtout sur cette partie, nous ne connaissons véritablement pas encore, nous ne sommes pas confrontés à ce problème, à ce conflit hommes et éléphants. Donc ici, les plantes poussent de façon naturelle. Donc les plantations poussent normalement, on n'a aucun problème. Ici, en dehors de cette plantation d'ananas qui continue, on a une bananeraie et un bon paysage sous la nature. Nous sommes sous une minime pluie, il y a le brouillard, vous voyez ce que la nature nous donne. Le spectacle, il est merveilleux. Aller manger tout ça. Oui. Oh.
Et combien d'années après au King Kumu? Ça fait combien d'années que tu n'as plus jamais vécu ce que tu as entendu? Madame Nong est en train de vivre une immersion dans la forêt Teke 20 ans plus tard. Donc imaginez, essayez de voir quel peut être son plaisir à l'heure actuelle. Ouais. Il y a un Camerounais qui s'occupe de du chant d'Anana. C'est pratiquement partout, même ici. La pluie qui nous a gaspillé la journée. Oui. Donc le champ d'Anana commence à monter sa couleur. Ah, c'est... Voilà. Ça commence à donner. On va les préparer. Ok, ok, ok. Oui, on y va. Mais, c'est bon. Mais vers en bas, là-bas, on peut encore faire les étangs, non? Non, on a dit comment? Oui, il y a l'autre étang là. Ah bon, hein? Oui, ah, ouais. On a l'autre étang ici. Quand on a commencé le premier. Mais normal, on doit nettoyer un truc là pour en faire une rivière, une piscine. Là, ici, quelque part. Tu ne veux pas pourquoi on est en train de venir? Mais quand tu as un problème avec toi, tu vas venir avec tes mains. Là où on a fait les bananes. Ouais. Là, comment ça? Donc ça va descendre comme ça. Descendre juste là. Donc ça c'est le prochain site. Ouais. Sur lequel il y aura des les ananas. Les ananas. Et les bananes, une bananeraie. Voilà. Ouais. Ça sera plus. On va mettre aussi les légumes. Voilà. La tomate. La tomate, le chou. Ouais. Ah donc le chou. Le chou aussi pousse ici. Bien, très bien. Oh. Voilà. Les piments. On va faire un peu tout ça. Donc, on peut avoir du chou ici. Oui. Ben alors là, donc. Le chou pousse bien. Donc, ce serait peut-être la première production du chou dans le département des plateaux. Donc. Donc, en Goni. Ah, ok. Ah, tu as trouvé là. Voilà. Il y en a là, il y en a encore à côté. Elle est toujours à la recherche de son Kumu. Et elle en a trouvé. Attends, je cueille, on part. Attendez, je... Ça c'est hey, Michel qui est en train de faire. Ah mais il y en a là, c'est vrai. Ah bien, il m'a dit longtemps. Eh bien, malheureusement, j'ai comme l'impression que nous n'irons pas tout de suite là. Non, on va aller tout de suite, attends. On cueille seulement. Tu as failli t'accrocher là. Il m'a dit pas de passer. Excuse-nous, on va te déraciner un peu. Voilà. On va les planter derrière ici. À la maison. Ça pousse comme les bananes. Ben, donc nous sommes arrivés au point d'attraction, notre petit campement, où on élève des bœufs. Comme vous le voyez, là c'est la première partie, l'autre troupeau est en train d'arriver là-bas. Et la nature nous offre en même temps un très beau
coucher du soleil sur les plateaux Bateke. Alors donc, vous voyez, c'est cette ville-là qu'on mène ici. Un bon plat au feu de bois. Là, c'est... c'est la pintade. Voilà, c'est la pintade. Et là, c'est la pédrie et autres. Donc, on a deux émissaires, on a deux chasseurs qui sont allés. Ceux qui vont ramener quelque chose. Et ici, nous avons Madame Nang, qui s'occupe du produit de sa pêche. Voilà. Donc tout est bio. Tout est bio. Tout est bio. Yacouba, accompagne-nous à mon petit frère, moi, aller voir le bébé. D'ailleurs, tu es mon ban. Ok, d'accord, tout de suite. Donc, comme vous voyez. Je vais filmer là-bas les cuisinières. Ah, bah, nous, on va faire un coup de. Quoi, tu veux une interview? Alors tu arrives dans le département des plateaux, pratiquement pour la première fois. Quel est le sentiment que tu as? Oui, c'est la première fois que je visite vraiment les plateaux comme ça. Ouais. C'est vraiment la toute première fois. D'habitude, on passe, on ne s'arrête pas, on ne visite pas. Mais là, alors là, vraiment agréablement surprise. Le paysage, il est magnifique. J'attends juste que maman Delphine réfléchisse sur le package. Comme ça, là, je viendrai couper du monde. Pas de téléphone, rien du tout. Une semaine, ici. Tranquille. Okay. Petit plongeon à la rivière. Vraiment, tu vois, même on a même des documentaires là qui passent sur National Geographic et tout. Genre, les gars. Il y a un là, il a un truc là. Homme seul face à la nature. Ouais, justement. Mmh. Ah oui, tu as précisé, moi je le suis pratiquement. Tu as vu, non? Ouais. Mmh. Seul face à la nature. Il est où? Le lait de bœuf. Ah, c'est le lait de bœuf. Ouvre la casserole. Waouh. Ouvre là, il y en a dans la casserole. Donc, vous voyez, on a même du lait frais. Voilà. Du lait frais de bœuf sur place. On a même du lait frais de bœuf sur place. Non, ça va. On est avec Jacob. Avec Jacob, ça va. Oh. Mais le chef de bœuf aussi dérangé. Oui, dérangé. C'est lui qu'on appelle Delph. Il est... Oh, mon ami. Il y a beaucoup de variétés. Tu vois, il y en a qui ont des longues cornes. Des cornes qui sont courtes. Tu vois, Delph c'est ça. Celui qui a les cornes pliées là, c'est une variété. Celui-là, c'est une variété. Hein? Goudali. Celui-là, c'est quoi? Le Bogoloji, le de Nigeria. Nigeria. Le de Nigeria. Non, Nigeria, même comme ça.
Et celui-là, il est d'où? C'est le sorti, ouais. C'est quand ça pas fini. Tiens. Comme beaucoup de bœufs. Allons, on va voir les. Ah, d'abord. En santé, ma voilà pas la panamando. I'm gonna go to the hospital.